Ok, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis téléspectateurs de Ndoulé Africa, avec votre serviteur le Saint-Marc. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale, d'autant plus que l'actualité musicale au Congo, on attendait tous l'album d'un jeune que j'ai connu, d'un jeune que beaucoup de chroniqueurs congolais ont connu, qui n'est autre que Héritier Watanabe la Pulga. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc la RDC, l'Afrique attend cet album impatiemment, l'album Retirada. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans les bureaux de Biblack pour rencontrer le producteur le plus frais, David Monceau, et aussi son artiste qui ont sûrement un message à annoncer au public qui attend impatiemment l'album Retirada. Je ne serai pas seul. Je vous ai déjà annoncé que nous serons avec David Monceau et Héritier Watanabe. Aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons un grand de la chronique musicale, la chronique fait intelligente de Marius Munga qui sera avec moi et ensemble. Nous allons co-animer cette grande émission. Restez branchés parce qu'il y a des vérités que vous n'avez pas entendues dans d'autres émissions. Et aujourd'hui, vous aurez ces exclusivités. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a Marius et le Saint-Marc Tabou pour l'exclusivité. Nous allons directement commencer par dire bonjour à David Monceau. Bonjour. Bonjour. Bonjour Héritier. Ouais, bonjour Saint-Marc. Bonjour à toi Marius. Bonjour Saint-Marc. Un petit message en regard. Bonjour à tous les amis et merci de nous suivre aujourd'hui. Comme l'a dit le Saint-Marc Tabou, c'est une grande exclusivité parce qu'enfin aujourd'hui, ce que vous ne savez pas et ce que tu n'as pas encore dit, c'est qu'ils auront l'exclusivité du nom de l'album de Héritier Watanabe. Ouais. Tout le monde sait que l'album s'intitule Retirada, mais dans cette émission, une exclusivité, nous allons découvrir ensemble le nom, le vrai nom de cet album avec David Monceau et Héritier Watanabe, que j'ai l'occasion d'interviewer pour la première fois depuis qu'il est parti du groupe Wenge Musica Maison Mère. Voilà, okay. C'est un plaisir. Ça va. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sans pour autant tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet et poser la question que tout le monde attend à David Monceau, le producteur le plus frais. David Monceau, dites-nous, à quand la sortie de l'album Retirada de Héritier Wata? Mais la sortie est pour bientôt. On ne va pas dévoiler en cours d'émission pour que les gens puissent rester. Donc, on donnera la date après. Okay. Et moi, ma question, c'est Héritier, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens prêt? Parce que ces tractations montrent déjà que l'album sort très bientôt. Est-ce que tu te sens prêt à affronter le public, à leur présenter le travail que tu as mûri pendant tous ces mois? Ouais, pour être clair, j'ai pas l'expérience des albums. J'ai pas encore fait un album, mais j'ai eu la chance d'être bien entouré, bien encadré par ces grands messieurs de l'Afrique. Ces messieurs qui a beaucoup fait pour la musique angolaise, dès par mes aînés jusqu'à moi. Et je pense que là, je suis prêt. Je suis prêt, pourquoi? Parce qu'on a beaucoup, on a eu du temps. On a fait plusieurs mois. On a commencé l'album au mois, si je ne me trompe pas, au mois de septembre ou octobre 2015. On a eu la malchance de perdre les disques durs au mois de novembre ou décembre, si je ne me trompe pas, et on a repris l'album en fin décembre. Donc, c'est ce qui a fait qu'on soit un peu en retard. Et là, on est prêt. On est prêt. Mais je ne pouvais pas sortir mon album comme tous les jeunes artistes sortent leurs albums, primo, parce que déjà, nombreux d'entre nous sortent des albums sans producteur, par leurs propres moyens, mais moi je sors mon album avec un producteur. Et mon producteur, ce n'est pas un producteur d'aujourd'hui, c'est un professionnel. Il a travaillé avec Sonodisc, il a travaillé avec Music, et Boubou Music aujourd'hui, Boubou Music travaille avec la maison Bicoz et d'autres grandes firmes de la production. Et il fallait un travail derrière le talent, parce que seul les talents ne suffit pas. Il fallait un grand travail derrière. Et pour être clair, nombreux des Africains, nombreux des gens qui habitent l'Europe aussi ne connaissent pas Héritier. Il a fallu qu'il y ait un travail de fond derrière qui devait m'accompagner jusqu'à ce que quand l'album sortira, ça soit pas seulement un album, comme dit M. David Monceau, congolais, et un album pour tous les Africains, pour que toute la population africaine puisse s'y retrouver. Donc je pense que c'est ce qu'on a fait. Et là, on est prêt à lancer.
Okay. Saint-Marc, avant que tu poses la question, juste la première question que j'aimerais poser à David Monceau. Tout à l'heure, Héritier l'a dit, c'est sa première expérience d'album, mais vous, vous n'êtes plus à présenter. Vous avez une expérience pour avoir travaillé avec d'autres grands artistes. Comment ça se passe jusque-là, votre collaboration avec l'artiste? Est-ce que vous êtes satisfait? Mais je suis satisfait de la collaboration parce que c'est un artiste très assidu, qui écoute, à qui on donne des conseils et qui comprend. Vu que j'ai une expérience par rapport à la production musicale, donc j'essaie de lui apporter cette production, cette expérience. Et la chance que j'ai, c'est quelqu'un qui a faim. Et moi, j'aime travailler avec les artistes au départ qui ont faim, qui ont envie de prouver. Et cet artiste est un diamant brut qu'il fallait bien tailler pour pouvoir l'exploser au monde. Et là, on est fin prêt. On a pris du temps parce que, comme je vous dis, j'aime pas sortir mes albums au hasard. Et un artiste aussi talentueux, il ne faut pas qu'il sorte au hasard. Il fallait un travail fait en amont pour le faire connaître. Aujourd'hui, je suis fier parce qu'à peine on lance sa page fan, il y a plus de 35 000. Il lance sa page Instagram où il avait perdu, qu'on appelle, quelques fans. Et là, aujourd'hui, on est à plus de 15 à 16 000. Ça veut dire que c'est un artiste qui est suivi et que le travail que j'ai fait depuis un an commence à porter ses fruits. Donc, quand je parle de... Aujourd'hui, la donne change. Lancer un titre, un single, c'est des choses que je ne fais. Je n'ai pas l'habitude de faire parce que j'aime faire attendre les gens. J'aime que les gens aient soif. Et je me rends compte qu'il y a une pression. Une pression parce que le public est prêt. Le public m'interpelle. Je passe dans un supermarché. Il y a pas seulement des Congolais, des Ivoiriens qui m'arrêtent. Qu'est-ce que tu fais? Quand est-ce que tu sors cet album? Donc, je sens une attente très forte. Donc, du coup, ça m'oblige à lancer un titre pour dire aux gens, prenez c'est un apéritif que on va vous donner là, juste pour vous mettre de l'eau à la bouche. Et puis, préparer une belle sortie encore de cet album, le jour de son anniversaire. Parce que ce jour est un grand jour, est un jour mémorable, parce que c'est la naissance de Michael Jackson, de Mandela. Et cet artiste fait partie de ces grandes personnalités qui arrivent. C'est-à-dire aujourd'hui, je l'appelle l'héritier de la musique africaine parce qu'il a un gros héritage. Aujourd'hui, vous avez tous vu la baisse de la musique africaine, de la musique congolaise, avec tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, c'est lui qui a cette lourde tâche de propulser encore cette musique congolaise qui a un avenir exceptionnel. Et je pense que c'est le moment de s'apprêter. Vous aurez la sortie de l'album pour le 29 août, et surtout le lancement d'un titre que je vais lancer le 13 juillet. En exclusivité, il va vous chanter un petit bout après. Et voilà un peu... Je traîne encore plus parce que je dois annoncer une date à l'Olympia, parce que son premier concert parisien sera à l'Olympia. Donc j'attends la date, et dès que j'ai la date, tout le monde sera au courant. Ok, ça va. Avant de parler de ce concert, est-ce que vous allez joindre la parole à l'acte? Est-ce que vous aurez, comment je peux dire, la même motivation que vous avez eue quand vous avez travaillé avec l'artiste Fally Ipupa? Ou bien c'est ce David aujourd'hui qui est plus occupé, qui est responsable à Biblack, qui n'a pas assez de temps pour être vraiment dans le four moulin? Sortir, aller dans des magasins, faire la promotion, tout en sachant, comme vous l'avez dit, que la musique congolaise est en baisse. Est-ce que vous aurez la même motivation que David Monceau il y a 10 ans? Mais ce qui est intéressant avec moi, c'est que tout ce que je fais, je le fais avec force et vigueur. Et c'est mon métier de base. La production est un métier que j'adore, que j'aime beaucoup, malgré les péripéties de certains artistes. Aucun artiste, par rapport à son comportement, m'empêchera de faire la production. Et la production musicale, c'est mon cœur de cible. C'est mon métier que j'adore. J'aime là d'ici. On ira en studio écouter les mix, c'est ça mon plaisir. Donc j'ai toujours cette force, cette envie, mais j'ai l'impression que je débute la production en produisant cet album. Donc vous aurez... J'aurai toujours la même force d'aller dans les magasins, dans les boîtes de nuit, dans les maquis. Toujours parce que cet artiste est tellement talentueux que j'ai envie que le monde sache qui il est, comment il chante. Moi, c'était mon rêve, parce que c'est quelqu'un que je poursuis depuis plus de 10 ans. Mon rêve, c'était de lui faire une production, un album qui me stimule. Donc aujourd'hui, j'ai la même force.
Mais personne ne va m'empêcher d'avoir cette force. D'accord, ma question s'adresse à Héritier. C'est presque la même question que j'ai posée tout à l'heure à David Monceau, qui est un grand producteur africain, qui n'est plus à présenter. Il a eu l'expérience au Congo avec Fally Ipupa. Je peux dire, c'est comme une femme qu'on rencontre dans la rue, une femme qu'on voit avec un autre mec. On pense qu'elle est vraiment très bien. Et une fois qu'on l'a avec soi, on se rend compte peut-être que ce n'est pas tout à fait ce qu'on voyait. Quelle est ton image aujourd'hui de David Monceau, que tu as vu avec, est-ce que c'est le même que tu as vu produire d'autres artistes avant toi? Est-ce que tu découvres la personne que tu croyais qu'il soit aujourd'hui? Oui, voilà. Vous l'avez bien dit. C'est bien de voir quelqu'un de loin et lui juger autrement. Et peut-être en arrivant de près, en le côtoyant, tu découvres d'autres défauts. David Monceau est comme tout autre humain, il a ses défauts et ses qualités. Donc je ne pourrais pas dire le contraire. Mais ce qui est bien avec lui, je pense que quand les défauts sont inférieurs aux qualités, donc la personne est une bonne personne. David Monceau, je te dirais que c'est une très bonne personne. Dès par sa passion de la musique et l'amour qu'il donne à ses artistes. David Monceau, pour moi, c'est comme un père. C'est comme un père. Tu disais la même chose pour Wilson. Voilà. Mais... jusqu'à aujourd'hui, Wilson, dans mes yeux. On ne peut pas avoir de papa héritier. Non, on peut en avoir même 30. Mais ça dépend. Moi, il va expliquer. La façon dont. Parce que ce qui me plaît bien, comme il s'exprime bien en français, donc il va vous expliquer le sens de papa. Voilà. Okay. Quand on a grandi, on est convoyé. Ça, c'est le papa qui donne des directives à son fils. Ça, c'est voilà. Nous, Bantous, nous, Africains, quand j'ai grandi chez moi, on me disait toujours. Lorsque la maman de l'autre ou le papa de l'autre donne du conseil à son fils ou à sa fille, même si tu es de passage, prête l'oreille et écoute, ça pourra t'aider ou te servir à jour. Donc, de la même façon, j'ai eu la chance à écouter Wilson. Aujourd'hui, je suis avec David Monceau. L'autre fois, je l'ai dit même avec votre confrère, Yadjoka, il m'a posé si j'ai de bons souvenirs. Aujourd'hui, si j'ai de bons souvenirs, je dirais, premièrement, j'ai deux souvenirs. Deux bons et grands souvenirs. Primo, c'est ma rencontre avec Wilson qui a changé ma vie d'un étudiant footballeur à un musicien reconnu. Et je peux ajouter d'un musicien, d'un artiste timide à un artiste un peu plus audacieux. Non, maintenant là, c'est les apports. J'ai rencontré Marc Tabou, j'ai pris quelque chose de Marc Tabou. J'ai vu Marius Munga, j'ai emprunté quelque chose de Marius Munga. J'étais avec Ferré, j'étais avec Babine Dombé, tout ça. Alors chacun t'apporte ce qu'il peut t'apporter. Et après, on change au fur et à mesure, qu'on avance. Et donc voilà, comme je disais, ma plus grande rencontre, ma rencontre avec Wilson, ça a changé ma vie d'un élève. Donc, pour ne pas dire étudiant, parce que je n'ai pas fait l'université, je suis D6, donc d'un élève à un artiste reconnu. Faire le Zénith, faire les concerts, faire les Stades de France, tout ça là, ça m'a changé. Et ma deuxième, c'est David Monceau. Pourquoi? David Monceau m'a apporté ce que je n'avais pas, ce que je manquais. Cette hargne-là de toujours mieux faire, de se surpasser. Voilà pourquoi même je suis peut-être jugé à défaut d'être trop sûr de mon album par le fan et les gens peut-être sur Facebook, sur Instagram. C'est parce que je me dis pourquoi pas bien faire, pourquoi pas mieux faire. Parce que Héritier, avant, je faisais des chansons qui marquaient les gens, qui touchaient les gens. Mais pourquoi je ne peux pas faire plus que ce que je fais? Alors, c'est ce qu'on va voir justement. Est-ce que tu peux pas, parce que David Monceau l'a annoncé tout à l'heure, nous fredonner un petit truc pour qu'on voit qu'effectivement tu as évolué avec David Monceau? Voilà, on a fait des titres. La chanson qu'on va lancer, c'est BM. J'ai chanté pour une sœur à moi qui habite la Belgique, Bernadette Massengou Mouillard. Monte mes ok, Lucas solutionne qui tenga Lili ta peine. Ambulance kumbaga babeli kumbinga bokonote mama emote bokendo tikange pa ya bem bana suka bakanga kamvula na kokite kokanga balarme lizibana mata ma chérie ya kokorchone ya kotorchone masengo Bernadette bolingo na pesa o falo bomba na motema. Oh bon, mais la frigo courait. Donc voilà. Voilà, ça c'est. Nombre de Congolais
Commençons par vous. Vous me disiez souvent, Hérité, tu cries trop. Tu cries trop dans ces chansons. Tu cries, est-ce que tu ne peux pas plus chanter? Tout rose grand gang, tu ne dois pas crier. En grandissant, on apprend. On lui a imposé ça. Et aujourd'hui, vous verrez, qu'est-ce que je fais? Je fais des titres comme Kalaboka avec des grands artistes. Je fais des titres comme... J'ai chanté avec Wally Sek, qui m'avait invité, que je demande même pardon parce que je n'ai pas pu venir, parce que j'avais des problèmes bloqués en à Kinshasa. Voilà. Je n'ai pas pu être là, à Bercy, les quatre. On a fait un titre où je chante à Wolof. Mm. Les gens ne m'ont jamais écouté chanter en Wolof. Mm. Ils écouteront pour la première fois. Il y a des titres où je chante, peut-être, je dirais, où je chante en anglais, où je chante en français. Les gens découvriront. Donc, il y a plein de trucs, parce que je ne voulais pas faire un album où je pouvais dire que je fais un album world et un album typiquement congolo, congolais ou africain. Non. Je voulais tout mélanger, tout mixer dans un même CD. Celui qui cherche de grand rumba, il s'y retrouvera. Celui qui cherche des trucs de style wenge, il écoutera des génériques. Celui qui cherche des styles variété française, il écoutera Kalaboka avec notre frère Fababi, un grand artiste, Fababi, de la France. Et celui qui veut des trucs comme des afrobeats, il me verra chanter avec Wally Sek. Donc, il y a tout dedans. C'est un mélange. Bon, comme on dit en français, les mélanges font des bons enfants. Donc, de beaux enfants. Et vous allez avoir la chance d'écouter. Donc, comme je disais, David Monceau, c'est mon père. C'est comme mon père. Pourquoi? Ma rencontre avec lui, ça m'a changé. J'ai appris beaucoup de choses. D'abord, la patience. Tout ça là. La patience, le travail. Mais sauf que on travaillait autrement, j'ai travaillé autrement. Mais aujourd'hui, je pense que je suis plus professionnel. David Monceau m'apprend que si tu es en retard, tu ne peux pas être en retard. C'est impossible. Là, je suis en retard d'une quarantaine de minutes. Bon, voilà, on comprend que Paris, okay. Il y a trop de bouchons. Mais David Monceau a changé. Et mon comportement, et ma façon de voir les choses, et ma façon de s'exprimer même. Est-ce qu'on attend voir de la sortie de l'album? C'est qu'on va entendre, parce qu'il faut le dire que le public nous regarde, et cette émission, c'était juste pour avoir l'exclusivité. Vous l'avez annoncé, disons pas pour faire passer le clip dans notre émission, mais vous l'avez annoncé sans pour autant qu'on vous le pose cette question. Sûrement, c'est des publics n'ont pas bien compris. Vous avez annoncé la sortie d'une chanson promotionnelle dans votre, disons, dans la chaîne YouTube de Héritier Watanabe, pour quand? Pour le 13 juillet à 18h. Voilà. Le 13 juillet à 18h, qui est l'anniversaire, le jour d'anniversaire de... Non, le jour de la veille de l'indépendance de la France. Parce que comme on est en France, on le lance à partir de la France. Et la sortie de l'album, ça sera le jour de son anniversaire. On le lance le 13 juillet, pourquoi? Parce que le 14 juillet, c'est la date de la Révolution française. Voilà. C'est l'indépendance de la France. Et du coup, le 14 juillet, les gens seront à la maison. Voilà. Ça sera un jour férié et les gens pourront bien écouter la chanson. Voilà. La Révolution... C'est Retirada. La Révolution française, parce que Retirada, c'est se retirer, c'est soulever. Voilà, tout ça là. Et la Révolution, c'est ça. Donc voilà. Donc, voilà, c'est la sortie de l'album prévu pour le 29 août. Pourquoi le 29 août? Vous allez dire, ah ben, ils sont un album pendant les vacances. C'est le retour des vacances. Et le 29 août est une date emblématique. La naissance de Michael Jackson, de Mandela, et la naissance d'Héritier. Pourquoi je dis héritier? C'est l'héritier de la musique africaine. Quand vous allez écouter cet album, vous allez voir qu'il a pris un peu de partout et il s'est créé sa propre personnalité. Et c'était ça mon rêve. Comme vous avez dit tout à l'heure, il chantait trop haut aujourd'hui. Quand vous allez écouter cet album, vous serez surpris, vous allez vous poser des questions. Est-ce que c'était le petit qui était chez Wenge, qui a évolué, qui a changé comme ça? Oui. Ok, ça va. Alors, on va juste rentrer dans quelques détails. David, vous avez récupéré la partie, disons, vous avez récupéré B-Black et votre venue n'a pas été en toute tranquillité. Il faut le dire qu'il y a un conflit personnel entre la personne de David Monceau et une chaîne de télévision qui promouvoit aussi en Afrique, qui promouvoit la musique africaine. Donc, à grande échelle, est-ce que votre poulain sera amputé de ce moyen de communication?
parce que David Monceau est en conflit avec cette chaîne et que quelques artistes de David Monceau ne passaient pas là-bas dans cette chaîne. Je citerai Trace TV. Il y a des artistes comme Serge Beno, Lino Verchassé qui ne passaient pas là-bas. Et aujourd'hui, la force de Trace TV en Afrique, est-ce que Héritier sera amputé de ce moyen de communication, bien qu'il y a Biblack qui marche bien aussi? Oui, mais ça, c'est ce que vous dites. Moi, je n'ai pas de conflit personnel avec les gens. Moi, j'ai une direction. Vous savez, dans la vie, il faut avoir une vision. Il faut travailler. C'est au bout du travail, au bout de l'effort qu'il y a le travail. Bien fait. Et moi, David Monceau, quand je prends quelque chose, je veux bien faire. Et je ne pense pas que j'ai un conflit avec eux parce que c'est vous qui m'apprenez ça, parce que les gens en parlent. La presse en parle. Mais moi, personnellement, vous n'avez jamais entendu répondre à cette presse. L'album d'Héritier qui va sortir, je prendrai une campagne sur cette chaîne dont vous parlez. En tant que producteur, ce n'est pas le David Monceau qui a une chaîne de télé. Je prendrai une campagne, la maison de disques prendrait une campagne, normalement, pour faire passer Héritier là-bas. Il n'y a aucun souci à ce niveau. Et vous savez, le talent ne se cache pas. Cet artiste est tellement talentueux que même s'il y a des boycottages qui vont se faire, le public dira à ces gens qui cherchent à boycotter de ne pas boycotter. Donc, je n'ai aucun souci avec ça. C'est-à-dire, moi, je suis un producteur. Mon souci premier, c'est que mon artiste soit vu partout. Que ce soit mes concurrents ou pas, l'artiste doit être vu partout. Je prendrai une campagne, moi-même, personnellement. Je me déplacerai à cette chaîne dont vous parlez pour prendre ma campagne normalement. Je ne pense pas qu'ils vont refuser mon argent. Ok. Marius. Voilà, Monsieur Monceau, Héritier, je vais revenir à toi tout à l'heure. Vous êtes un bon modèle pour les producteurs africains. Mais il y a quelque chose. Ma question aura deux volets. Le premier volet, c'est que on vous connaît au Congo par rapport à votre expérience avec Fally Ipupa, que vous avez pris parce qu'il est parti d'un groupe, vous l'avez encadré, vous avez fait chemin ensemble. Et aujourd'hui, on vous voit avec Héritier. La première question, est-ce que vous ne profitez pas toujours de la naïveté des artistes qui viennent d'un groupe qu'ils ne connaissent pas tout à fait et qu'une fois qu'ils découvrent réellement votre vraie face, ils partent? Est-ce que ce n'est pas le cas parce que c'est papa? Vous savez, quelquefois, papa peut prendre de l'avantage sur leur enfant. Et c'est un enfant qui se sent soumis parce que son père, c'est lui qui lui montre les chemins. Donc, on peut tirer un avantage de ça. Ça, c'était la première question. La deuxième, la même expérience, c'est un jeune qui vient d'un groupe et vous le prenez pour le produire. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'entêter des jeunes pour quitter le groupe parce qu'ils savent qu'il y a un David Monceau qui va un jour me produire? Je vais répondre à la première question. D'accord. Non, pas du tout. Parce que vous pouvez regarder un peu mon CV. Tous les artistes que je produis ne sont pas pauvres. Ce n'est pas des gars qui marchent à pied ni qui prennent le métro. Moi, je m'arrange pour que ces artistes aient de l'argent. Parce que, par exemple, quand on prend le cas des concerts des artistes, moi, je prends à peine 20% sur le cachet. Si c'est un cachet de 10 000 euros, moi, je prends 20%, ça fait 2 000 euros. Lui, il empoche 8 000 euros. Parce que moi, mon souci premier, c'est que l'artiste soit bien. Que financièrement soit bien. Donc si certains artistes aujourd'hui qui ont travaillé avec moi et qu'après qu'ils ne veulent plus travailler avec moi, il faut qu'ils aient des excuses en disant on était naïf, il nous a volé. Ça, ça n'engage qu'eux. Moi, aujourd'hui, quand je récupère Héritier, j'ai investi du début à la fin. Je finis la production, je produis tous les clips, je fais de la promotion. Je paye des campagnes un peu partout pour faire promouvoir l'artiste. Après, mon deuxième souci, c'est de lui trouver un tourneur. Parce que ça, je ne veux pas qu'il m'appelle pour me demander de l'argent. Donc, priorité pour moi, il faut qu'il soit bien. Parce que plus il est bien, moi, je suis tranquille. Donc, je ne profite pas de leur naïveté. Un, parce qu'ils sont talentueux. Sinon, vous allez me voir à tout bout de champ à produire des artistes en longueur de journée. J'en reçois tous les jours, il n'y a pas que les artistes congolais. Mais je regarde parmi ces artistes, qui est-ce qui sera, qui est talentueux, qui pourra m'apporter cette envie de produire et cette envie de faire éclore ces artistes. Parce qu'on ne peut pas toujours rester à l'ancienne, garder toujours nos vieux. À un moment donné, aujourd'hui, la nouvelle génération, mon fils qui a 15 ans et celui qui a 20 ans, eux, tout de suite, ils veulent voir Héritier évoluer. Qu'est-ce qu'ils chantent? Ils n'ont plus envie d'écouter nos anciens. Le monde évolue, le monde tourne. Donc moi, mon souci premier, chaque fois qu'il y aura un artiste talentueux, sans vraiment me gêner, je vais toujours
le produit. Je produis héritier aujourd'hui, mon souci premier, c'est de le stabiliser, de créer les bases, les fondamentaux. Une fois il est bien installé, que demain matin, il peut évoluer tout seul, c'est toujours moi qui gagne. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Quincy Jones, on parle de Michael Jackson. Quand on parle de Bob Marley, on parle de Chris Blackwell. Moi, je suis heureux. Donc, je ne profite pas de leur naïveté, bien au contraire. Et vous ne les entêtez pas pour quitter le groupe? C'était le deuxième volet. Héritier, par exemple, je l'ai poursuivi depuis 10 ans pour qu'il quitte le groupe. Mais voilà pourquoi il se sentait obligé de partir. Non, pas du tout, il ne se sentait pas obligé de partir. Ah, vous l'avez poursuivi pendant 10 ans pour qu'il quitte le produit. Pas pour qu'il quitte le groupe, pour le produit. Mais il attendait prendre de l'expérience avant de voler de ses propres ailes. Sachez que, avant de produire Héritier, j'ai appelé Werrason. Je l'ai contacté. Je lui ai dit, moi, je peux être un producteur exécutant. Toi, je te mets en avant et c'est toi qui le produis, vu que c'est ton fils. Parce que lui aussi, à un moment donné, il a une femme, il a des enfants. Il faut bien qu'il arrive à les nourrir. Il ne va pas passer son temps à les nourrir avec les petits cachets de musiciens qu'il touche. Non. À un moment donné, tu fais ton enfant et tu le laisses grandir, tu le laisses évoluer. Correct qu'il est, il m'a dit, je ne peux pas. Parle d'abord avec Werrason. Moi, je l'ai appelé. Je lui en ai parlé, on a échangé. La deuxième fois, il n'a pas voulu me prendre au téléphone. J'ai dit, Héritier, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai faim, j'ai envie de te montrer au public. Quitte, viens. Quitte en courant. Donc, on va le faire avec élégance. Voilà. Toujours, parce que dans la vie, il faut faire les choses. C'est ce qui explique que David Monson ne le voit jamais au Congo. Parce que tu as fait le même coup avec Koffi Olomide, tu refais le même coup avec Werrason. Et eux, connaissant ces gens, ils sont des gens très forts au Congo. C'est ce qui explique que vous n'êtes jamais arrivé à... Pas du tout. Je viendrai au Congo le jour du premier concert de la sortie de l'album d'Héritier. Voilà. Je viendrai normalement pas... Pourquoi pourquoi tu ne l'as pas fait avec Fally? Mais je n'ai pas fait avec Fanny parce que je n'ai pas eu une bonne invitation et puis je n'étais pas prêt à aller au Congo. Maintenant, je me sens prêt. Tu étais prêt à aller à Miami avec J'étais prêt à aller à Miami et partout, comme je suis prêt toujours à aller à Miami avec Héritier, aller au BET Award, au Grammy Award. Oui, je ferai. C'est le même chemin que tu vas faire avec Pas du tout. J'explique encore. Le monde évolue. Aujourd'hui, quand je lançais ce tatis dont vous parlez, il y avait pas Fally ou pas dont vous parlez, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook, mais on a réussi à le lancer. Aujourd'hui, on est à l'ère de la nouveauté, de tout ce qui est Internet, tout ça. Donc, ce n'est pas forcément le même chemin. Parce que j'ai l'impression que vous voulez absolument retarder mon évolution en me disant toujours me coller forcément à ce tatis dont vous parlez. Non, on est dans un monde qui évolue. Cet artiste aujourd'hui évolue de son côté. Je prends un autre artiste qui va... David Monson, il y a un problème de citer le nom de Fally? Non, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème, tu sais. Pourquoi vous l'appelez cet artiste? Mais c'est un artiste comme tout autre. Il y a d'autres artistes. Il y a les Fabregas, il y a les Ferré, il y a d'autres artistes. Bref, donc allons à l'essentiel. Donc, du coup, cet artiste a besoin de se faire voir. Je ne veux pas... Je ne suis pas là pour diviser les groupes. Parce que les artistes eux-mêmes, à la base... sont talentueux. Werrason est un grand monsieur qui fait ses concerts. On n'a jamais dit Werrason et Héritier Watanabe, ni et Fabregas. On disait Werrason. C'est comme Héritier aujourd'hui qui a son groupe, mais son groupe ne m'intéresse pas. C'est des accompagnateurs. Okay. On parle de Héritier Watanabe. Point. Qu'est-ce qu'on va? Oui, il a presque anticipé la réponse à ma question. Je voulais savoir si votre contrat lie aussi le groupe d'Héritier. Vous avez tout à l'heure éclairci, donc c'est Héritier. Combien d'années? On doit savoir combien d'albums. Héritier est parti pour 5 albums. Ouais. Mais si, au bout de 2-3 albums qu'il a même acquis le pas, ça ne me dérange pas. Ouais. C'est quoi le clause pour rompre ce contrat? Je ne veux pas exposer le clause de mon contrat pour... Je parie que vous l'avez inversé. Mais je pense que la meilleure façon de faire, même pour signer un contrat, ou de résilier un contrat, la meilleure façon de faire, c'est d'appeler la personne, vous mettre en responsable et lui parler en face. Donc pour moi, c'est la meilleure façon de faire. De faire que, plutôt... aller quelque part, m'engager, puis voilà. Héritier, Marius a parlé de naïveté. Est-ce que quand vous avez signé un contrat avec David Monson, quelle était votre motivation? Est-ce que vous n'avez pas pensé à
au contrat que David avait avec d'autres artistes avant, ou vous êtes venu par rapport à son expérience? Est-ce qu'il y a une naïveté? Vous pensez que vous l'avez fait comme ça, sciemment? David Monceau, quand il a signé avec moi, David Monceau, je pense que avant même de signer avec lui, j'avais pris le contrat quelques semaines avant. J'étais parti avec ça à Kin, avec mon avocat ici à Paris, à Kin, on a étudié ça. On a vu que c'était avantageux pour moi. Donc, ça ne m'intéressait pas de savoir s'il avait donné à l'autre combien ou à quelqu'un d'autre combien. Moi, ce qui importait, c'était quoi? Qu'est-ce que David Monceau peut m'apporter par rapport à mon talent, par rapport au savoir artistique que moi j'ai? Est-ce que je vais avancer ou je vais être statique? Donc, voilà, c'est ça plus mon problème. David Monceau, c'est un grand. Moi, je le vois dans cet angle-là. Pourquoi? Avons-nous, il y a Gadji Sely, qui n'est pas de notre ère. Nayan Kabel. Il y a eu Nayan Kabel. Serge Beno. Il y a eu de DJ Arafat, de voilà. Serge Beno, de Koffi Olomide même. Il y a eu de Fally Ipupa, Jibem Piana. Je pense que parmi tous ces gens-là, il n'y a que de grands noms. Voilà. Il n'y a que de grandes personnalités. Voilà. Donc, du coup, je pense qu'il n'aimera pas échouer qu'avec moi. Parce qu'il va voir son CV. Voilà. Il doit vouloir peut-être et ne pas se déstabiliser à un de ses derniers artistes à produire. Voilà. Parce qu'il faut qu'on se le dise, aujourd'hui, il est plus sur Biblack que sur la production musicale, même okay. s'il se donne à fond dans ma production. Donc voilà, moi quand j'ai signé, je n'ai pas regardé à côté, il a donné... T'en fais pas David Monceau, il y a aussi des artistes de ton groupe qui l'intéressent. Hein? De mon groupe, oui. Mais bien sûr. Oui. Au contraire, même, moi-même, je lui ai demandé, est-ce que papa, tu ne peux pas faire un truc? Parce que j'ai des animateurs, j'ai Contardo et Brandon qui m'épatent. Je lui ai dit, est-ce qu'après l'album, tu ne peux pas faire un truc coupé décalé avec un DJ voilà. de la Côte d'Ivoire? Et il a tout géré, c'est déjà préparé. Okay. Parce que moi, je ne vois pas un artiste bloqué dans l'esprit de toujours être le premier à tout gagner. Non, je ne vois pas comme ça. J'ai souffert de beaucoup de choses. J'ai souffert de beaucoup de choses et je ne mérite pas que les gens aujourd'hui qui sont avec moi souffrent. Okay. De la même chose. Donc, pour ne pas beaucoup parler, je préfère les dire comme okay. ça. Donc, ça va. Alors, okay. Tous ces artistes-là, si David Monceau trouve qu'à la sortie de l'album, un est talentueux, il peut produire. Bien sûr. Le monde évolue. Aujourd'hui, on est une nouvelle génération, beaucoup plus ouvert, plus intelligent, qui a un esprit plus évolutif. Okay, donc, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, maintenant on va plus se concentrer, se baser sur ce message que voudrait lancer toute l'équipe de Obuo Music, l'artiste héritier évidemment avec mon confrère Marius Monga. Sachez que le 13 juillet à partir de 18h, on demande à tous les Africains, à tous les fans de Héritier, d'être branchés ce jour-là. Je crois qu'ils vont nous donner de plus amples informations dans les jours à venir. Il y aura sûrement des concours, des personnes qui vont envoyer le message, le premier à envoyer le message juste en bas de cette chaîne YouTube, en bas de ce clip, aura sûrement un album et tout. Et voilà, donc restez branchés ce jour-là. C'est le 13 juillet, Retirada. On ne connaît pas le nom voilà, encore. C'est ça que c'est maintenant qu'on va revenir. David Monceau, l'album, c'était l'exclusivité de l'émission également. Voilà. D'abord, pourquoi changer ce nom qui apparemment a marché? A marché. Non, on ne change pas. Alors, c'est quoi le nouveau nom? Retirada. Retirada reste Retirada. C'est l'album, c'est le titre, en sous-titre. Maintenant, le titre de l'album, parce que, comme je dis toujours, c'est l'héritier de la musique africaine. Et à un moment donné, dans sa vie, il a grandi et il pense à faire de grandes choses. Donc c'est pour ça que cet album, je l'ai dénommé Carrière d'honneur. Carrière d'honneur qu'on dira dans plusieurs langues. Donc le titre de l'album, c'est Carrière d'honneur, en sous-titre Retirada. Carrière d'honneur. Ou quand dit en lingala, carrière d'honneur. Si en lingala, je sais pas comment le dire. Je sais que c'est en latin, c'est cursus honorum. Des trucs comme ça. Okay. On va le voir dans le temps de réfléchir. En tchèque, en croate, on va le voir. En lingala, on va le voir aussi parce que vous
tu sais... Est-ce que l'héritier, ça vient de toi? Ça vient de David Monceau, ce nom? Ça vient... Voilà. Ce qui vient de lui vient de moi. Voilà. Ah, parce que même le Christ l'a dit. Ah, vous êtes un maintenant. Vous êtes un. Même le Christ l'a dit. Celui qui a vu le Père a vu le Fils. C'est tout. Voilà. Je profite beaucoup de lui. Il faut que je le dise. C'est... Vous n'allez pas arrêter de vous jeter des fleurs, mais je voulais dire autre chose, quelque chose à David Monceau. Il y a ce qu'on appelle dans la musique congolaise l'esprit Wenge. Voilà. Et le monsieur qui est à côté de moi fait partie de cette école. Mmh. Et même le plus têtu de cet esprit, on l'a traité de tous les mots, elle polie, il est fou. Voilà. Alors, je vais poser la même question à vous deux. Est-ce que, héritier, tu peux promettre à David Monceau que tu as vraiment grandi, que tu ne feras pas ce genre de trucs, voilà. Ou des fois, tu étais mal compris? Ou David Monceau, est-ce que tu es au courant de ça? Comment tu vas gérer ça ou comment tu gères ça? Ben, ça, vous savez, on dit beaucoup de choses sur les gens. Et quand on ne connaît pas les gens, on raconte des choses. Mais quand on se rapproche de cette personne, on voit que cette personne n'est pas ce que vous pensez. Héritier est un enfant bien élevé, très intelligent et qui sait faire la part des choses. Donc, comme je disais, il fallait le canaliser, lui expliquer un certain nombre de choses. Il faut éviter d'aller en conflit, parce que le conflit n'allait pas nous aider. Donc, il y a des manières dont il faut lui parler. Lui aussi, il a ses manières, comme il peut me parler, parce que je suis aussi impulsif. Il est têtu, je suis têtu. On a tous les deux le même comportement. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis entier. Quand je décide de faire quelque chose, je vais jusqu'au bout, malgré vents et marées. Mais quand je décide de me dire stop, c'est stop, même si cette personne va me rapporter des milliards. Je ne fais jamais marche arrière dans mes décisions. Donc, on s'est compris et on essaie d'évoluer ensemble. Tout ce qui est important pour moi, c'est qu'il profite de mon expérience. Et aussi, moi, je profite aussi de sa fougue, de sa fraîcheur de jeunesse qui a envie de prouver au monde entier. Donc, on essaie d'évoluer ensemble. Ouais, je vois cette interview, on l'a à 80% en français. Parce que tu étais là, David Monceau. Mais on voudrait également quand même que les fans d'héritiers qui comprennent pas tout à fait le français puissent l'écouter. Ok, mais le temps pour nous de donner un dernier mot à David Monceau, un petit mot à tous ceux qui nous regardent en Afrique, partout, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour finir? Évidemment, vous avez annoncé pour le 29 août l'album, bien que les gens l'attendaient un peu plus tôt, et aussi le 13 juillet pour le lancement de cette chanson single. Voilà. J'ai toujours dit que même en Côte d'Ivoire, on me prend pour un Congolais. Ouais. Et le Congo, c'est mon deuxième pays. Mais tu n'es jamais... Mais qu'est-ce qui vous intéresse, je dois demander un passeport congolais. Le jour où on me donne le passeport congolais, le lendemain, je prends un avion et je viens au Congo. J'attends mon passeport congolais. Ouais. Et j'espère qu'on va m'honorer un jour, d'accord, comme on a honoré. Voilà. Okay. Donc je demande à tous les Africains et aux Congolais qui toko makasi, soyez prêts le 13 à 18h. Ouais. Allez regarder ce clip. Critiquez pas, ne vous pressez pas. Écoutez, prenez le temps d'écouter, de regarder la qualité du son, la qualité de l'image. Mmh. Et puis vous attendrez le 29 août pour avoir votre album. C'est vrai que vous avez souffert, vous avez trop attendu, mais on vous apporte de belles choses. Comment rentabiliser ça avec les problèmes qu'on a actuellement de musique qui marche pas bien, physiquement même. C'est ce que vous pensez que ça ne marche pas bien. La musique marche encore. Les gens peuvent pas ne pas écouter la musique. Aujourd'hui, la musique se vend sur plusieurs supports. Ce qu'on faisait pas avant. Avant, on vendait que sur les CD. Aujourd'hui, la musique d'héritier qui sortira le 13, sachez que même en Chine, dans l'heure qui suit, tout le monde l'aura. En téléchargement numérique, dans les sonneries, sur Google Play, un peu partout. Donc, il y a une autre manière de rentabiliser aujourd'hui les productions. Et la chanson, le single qu'on lance, est-ce qu'on va le retrouver dans toutes les plateformes de téléchargement? Dans toutes les plateformes. Donc, directement sur YouTube? Directement sur YouTube, iTunes, sur Amazon, partout, tout le monde peut télécharger, mais c'est en téléchargement payant. Donc, ils pourront télécharger ce titre-là. Ce n'est pas un téléchargement gratuit. Ouais, okay. Téléchargement payant. Okay. Merci à David Monceau, le producteur le plus frais, qui était évidemment avec nous. Nous allons continuer. Cette émission est finie. Qui s'exprime, David Monceau qui s'exprime, qui donne rarement d'interviews à la presse congolaise. Voilà. Mais aujourd'hui, nous avons été honorés. Merci. C'était important parce que j'ai trop fait attendre le Congo et l'Afrique sur cet album. Donc, c'était important que je vienne annoncer la date du premier single et la date de sortie de cet album, qu'ils auront un bel album de haut niveau, de très bonne qualité,
Vraiment, je suis content. J'ai toujours cette faim. Merci. Merci, David. Merci, en tout cas, mesdames et messieurs. Nous allons suivre cette interlude musicale. Et puis, nous revenons avec Marius Munga pour prendre un sandwich. Hein, celui qu'on appelle héritier Watanabe, la pulga, le magma. Hein, comme vous le savez, carrière d'honneur arrive. Hein, retirade à votre album. Et là, voilà, suivons. C'est moi, Platanabe, la zone de la Jackson, héritier Watanabe, ma panne héritière. Andeko bay bazar Olanda biso bo utayi kolanda David Monceau date pesami jour ya sorti album siko toza kozwa héritier en sandwich ngana Marius Munga, hein, la chronique fait intelligent. Marius Munga héritier Watanabe webi ngana ina souci na kutana na ona tuno ba question parce que musika ni États-Unis moyen atendo ya to ni États-Unis mais to kutani te singa na Miami yona banchiki si domo biga kwa mlingi zulika mais na ibite ba question so basi ba posant on sait Marc Tabu na ibite soko surtout na tant na talio ngana ibio na za parmi ba pandisa o yo ibito za lana yo le plus proche tant on a maison mère alors na moni na musika tango longwe o mi séparation je sala mte en passe mais on a comprendre ba artiste mambo ba vivre na kata ba groupe so ba te belé ba ibarango mais tant so ba critiquer abinote. Mais il y a des gens qui ont bénéficié de ma stratégie à groupe. Tant que nous avons un monde où nous avons attaqué Vinayo, est-ce que vous avez un monde parce que vous avez un monde où vous avez un marché ou bien vous avez un monde où la main sur le cœur, je suis là pour vous dire que vous avez un monde où vous avez attaqué maison mère. Parce que Marius Munga, je te dirai un truc. Il y a un monde où ils ont été dans ma mboyo et ils ont commis un succès dès mes débuts. Ils ont été dans la vente de Nicolas Banin, mal à instrument, oui, mais ma singa instrument, ma fère, ma zoïm, ma babi, ma zoïm, ma serge, ma belle, ma zoïm, ma zoïm, ma zoïm. Donc, vous avez un mot de l'air, vous êtes là-bas tout. Na rolling au cours à ôter. Mon colombo était dans la langue de la mouquine à bic, on a commis adversaire à ouer. Na mon arrêt toujours grand. Na belle là où il y a un phénomène, il y a belle là un phénomène. Na bilela e mokonzi président ya bilanga ngote leader de leader eh weran sonoza leader de leader ngandi mna imba kyango izaki ya tinda ingana imbate ye pasong c'est là que Dieu te bénisse et je l'avais dit sincèrement et ya lo bagi petam sou sincèrement ya ngou penza mba bénir nga tokoma lelo boye et ezatam sou ska que zanini na zui cop mo boye na zo kende quelque part o nevi ke mbongo wana e ko porter bilé na groupe pour groupe ezala sika. Tout ça n'a pas moyen le rôle à bangoter. Il faut qu'on se les dise. Bon, bazan n'a pas bralima, bazan n'a pas nini, bazan n'a pas ni. En plus, bazan n'a pas l'art, oyo ya bango. Mais biso tout ça comme miluka. Na outi pe na groupe mo boe, oyo moyen na zala na ngo penze zate. Ton na sali groupe fona luka nanu. Que ba musicien faut transport, ba danser faut balata, ba musicien faut tenue. Donc faut, so y kope mounani, tout ça le quoi, grâce pour na biso. Tout ça y chance à okene bango la wana. Ndé tam se sali que toke to bete na même moment. Mais kondi ma pe to beta pourquoi? Parce que kaka. Programme mes amis qui est plutôt dans le vendredi les rois de la forêt maison mère est samedi donc il y a un autre dima il y a un autre bah interpréter parce que je me disais que farafareza de ton dobe dans la BCBG biso na fikin côté Vodacom bon on a côté Bralima biso na Bralima bon on a Vodacom mais ce que ce que ça mutabeti lelo na ou abeti lobby na zoom on a côté farafarate mais l'interprétation des gens nandenge batu bazuela la makambo. Parce que au bindenge comme on a souhaité mbolara ndetam je maboy mais en soi na ndimite côté le roi de la forêt vandara akuna misu moko atam kolomo ro monanga et mon adversaire te mona ra mwana azulukalia azuluka kola azuluka bosse c'est tout héritier Watanabe webi ke yo tembe makasi yo tembe tembe makasi moi webi ke tembe pe et comme na moment oyo toye basuki tembesili to tembe feza la kaka parce que les 13 jours za musikate lelo YouTube e koma soko bwa ki eloko tropé so ba jour to compter trotala ba vu na yo est-ce que bi ke bato
ou peut-être bino bozo mon le roi n'est pas adversaire na bino na musique ba comme déjà na ba millions de vues na YouTube. Est-ce qu'un dozo lancer nzembo no wana? Est-ce que Tembe ko résister? Tu crois vraiment que Tembe ko résister toujours tant que nzembo wana et ko bima le 13 juillet? D'abord idéologie ya Tembe wana il faut n'expliquer en gros. Moto na Tembe nazaki na maison mais bando benga déjà bon moto era na podium c'était ezokisio pour monara bomboko Jacques au bina bien yo ko mo ramta Tembe fallait pour bina neti bomboko Jacques au sala mouvement bokoya na libaya c'était ezokisio babimisa na podium ici quand des papes ko mo Tembe wana pour nga osa concurrence à danse. Concurrence à danse n'est rien à ça là. Tous en bongo. N'est bina, n'a pas un bon à cacher. Ils aient bénéfique plus pour nanani. N'est bina pour na sepelisa, nani, ba public y a nani. N'est-ce pas le roi de la forêt? Yem tazo un bon à cacher, yem tazo qui marambutu, donga nazo bina ana. Nazo bina rapo ba monanga, mais na concert, n'est-ce pas pour mi wera son en concert. Donc voilà, donc vous comprenez que ceux qui n'a salara bongo, n'a salara pour na ko lukakaka, ko se surpasser, yango ana. Tembe la kisi bongo. Tembe la kisi nini. Il a les défis. Aujourd'hui, Marius Munga, autant il va classe, non. Aussi, si na Kinshasa, tout ça. Mais tant que tu as dit, on a dit que tu as dit que tu as dit que comme ici, il a raté. Ok, tu as dit que tu tant que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as apporté. Que tu as dit 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 que tu dit pas que na koki. Non. Il faut na ça la bas effort pour que na commande sous son héritier à l'équipe héritier à lobby. Comment héritier y a l'élo à zalandé mona y a lobby isoya. Ti, je me dis et aux alroi échec parce que nga na zaki déjà na le roi de la forêt na bête à rendre mbo simba. Ceux qui na longue na le roi de la forêt font na bête album et simba. Ceux qui na bête album et simbi. Ce qui tembe na nga na défi ou na relevé défi y a album album et l'équipe nzembo. Na zaki bosso na ba vocal na kumu sala ba nzembo iso simba. Vous connaissez aussi Simba. Donc voilà, le 13 juillet, single, on est sur annonce, donc chanson d'annonce, voilà. Et ça pour na, tout bas comprendre, tout misi rumba, parce que mon soir boya qui bande moi featuring, abi, tout misa rumba pour na, et ça là bas congolais nan, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ngana n'ga les amis balé meya boya qui mi balé, abi moko, batatika na. Pour ça, c'est comme des hésitations. Voilà. Est-ce que ça sert, vous assure? Un coup, une flamme. Voilà, t'es temps na outi Kinshasa. Na epoto, na soule na mamasa na kin. Mamasa balinga ki moi générique moko pour na babina, moi rumba moko. Mais temps na ye epsingate. To misa moko, bat baza na posa ya loko susu, apoto bando sala. Donc tembe na ngane za kana mte ke po entel a lobi tembe sili, ngane na bi tembe moto na tembe te. Tembe na ngane za nan bal defi. Mais si ko le fait que na yo vanda na yo raisonné, mais tembe fou za la pourquoi parce que même ba pasteur bata na tembe na ba nganga kisi. Au moins na ba pasteur na ba sango binga wa nganga ya nzambe. Mais ba toi kisi ya satan ba binga wa nganga ya kisi. Le bazana tembe, ba ou pe salar, ya ndenge ya pesa mwana tolia, ba pe shoki mwana kisi mbongo. Mais ba ou pe ba bi prosperite. So ko tam, o tam bolika na kubanga nzambe, nzambe zana nyonsu, zana ba diama ba wolo nyonsu ya ye. Donc voilà, tembe wana. Mais yo zo matin, de 13 juillet. Dans le sens où on a travaillé qui na komiti na niveau ya coupé ça va tout BM. BM le 13 juillet. Ba ko jujenga kaka na musala nga sa. Jour wana nde tembe. Siko yo jour wana nde ba ko sora tembe. Et tembe siko e bandi. Parce que jour onde sou tembe e bandi. Tembe banda nde. Wo bi tembe banda nde ni. Parce qu'à partir à wana, wana nde mi ba ton album. Après album, c'est pas la fin du monde. Marambu ando continuer kaka. Oye zuna no été. Tembe aussi la temps oye zoro ya. Jour on a pessuré simbité ba to Hollande. Oui, simba tembe ngini. Quand tu as la foi, tu peux déplacer même les montagnes. Naba océan, n'est-ce pas biblique? Que c'est biblique. Voilà, moi j'ai la foi. Okay. Et j'ai travaillé. Alors pour cet donc album, j'ai travaillé pour la réussite et non pour l'échec. Okay. Pour cet album entre nous, Ritier, est-ce que tu considères que yo ou Rumi ma fanatique y a sika ou bako adopté bako accompagné pour l'album voilà. Nous on compte pas sur support y a ma fanatique y a wenge musique à maison mère. Imagine na 1996. Oui, bah il va fanatique à maison mère. Bah là, ouais, fanatique à maison mère.
4x4 Ngana wo bisoke bazala raté parce que wenge musique à 4x4 ndenge zalaka ya kolandama na maison mère na BCBG en grouillement en attend wenge zaimo bizala raté n'était sur na mikosi peut-être ngana zaina kongote mais na ebi que même na bango mo même ekotiseli tant ba kabwani dislocation et ya ki le wanet ki et tout ba tout tonga mo boy na ba to ba ki par makambute ba ki ngana mona na mama na soza na parti phrase pour na moto mais tante na ngazo pour na pe o ay moto mais mama na biso tika na kolinga mama musique te de na mona na lutong na biso ba to bazo bunda pour na mambo séparation a wenge o yo ba na tant ba zemo bimba muta bunda kati de comprendre ça veut dire nini de o papa avant wenge avant wenge ne respect avant wenge ba fanatique mo azaiko bazala. Après, ma fanatique, moi, à vivre, après, il s'est créé. Après, ma fanatique, moi, après, la victoire, il s'est créé. Ça va, attends. Après, ma fanatique, moi, mon pas, il s'est créé. Si, ma fanatique, à Wenge, il s'est créé. Après, ton bakabouani, ma fanatique, il y a les rois de la forêt, il ma fanatique, il y a Sauvé, Salvatore, il y a. Si, quoi, après, on a ma fanatique, nous sommes abîmés. Babima paye ce soutien, ma fille Richard Depoul, il y a un peu de. Bill Clinton, la Mukento à la coste, la Fali Poupa, la Bourompela, la Jacqueline Lopoué, la Hépina Barakoussi, donc c'est un problème. Ça veut dire que tout ce que Dieu fait est bon. Et nous avons dit que 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 nous avons. Il y aura des gens. Il y a même des gens qui ont dit que nous avons 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 dit que nous. J'ai connu des gens. Comme par exemple, et les fanatiques, il y a papa Wemba, il y a Kabiso, il y a Vive la musique. Il y a quartier latin à Mopao, il y a BCBG, il y a Batata, il y a Banini. Pourquoi pas il y a une musique à maison mère, ou on a essayé là-bas, on peut quelque chose. Parce que les fanatiques, nous sommes à maison mère, nous sommes à la maison mère pour l'héritier à Mbaï dans la maison mère. Vous êtes sûr que Baza, tu es à mon côté. Bandam. Voilà, Baza, 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 mon qui est. Si on a mon qui est, ce qui va soutenir, c'est beaucoup pour moi. Donc voilà, dans sa musique. Pour naba congolais ni so pour naba africain bon ben l'héritier de la musique africaine okay. Dans un sens ouais. D'accord héritier dernière question c'est personnel voilà. C'est personnel mais c'est parce que je vois que tu t'exprimes beaucoup avec ton cœur ya ondinga linga après kokabwana na musique naibio ndengozaki na baleki nayo ba exaucé ba gladi ndengozaki na mapata ba relation abino ikomande nini. Et on est en famille. On a dit que je n'avais pas de réponse à cette question. Oui, je n'avais pas de passé. Je n'avais pas de chance de faire chez Bissot. Le fait que chez Bissot, j'adore beaucoup la musique. Je n'ai pas écouté le roi de la forêt. Je n'ai pas écouté le roi de la forêt. Je n'ai pas écouté le roi de la forêt. Je n'ai pas écouté Gladys. Gladys bébé. Gladi bébé exaucé la maternelle. Et dans le ticket, quand tu as répondu, 6 heures. Tu as dit que tu as Serge Malo, tu as dit que 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 Héritier fingi le roi de la forêt, mabe. Héritier fondi le roi de la forêt. Héritier kouta pantini ni bo. Si ma peu parce que bah, tout bazan a besoin yaba vu na ba. On a compris le système. Après, on ne peut pas aussi ko bo yaba tout pour tout ça a besoin après ça. Que ce soit internet ou que ce soit yakin. Mais na ba exaucé na ba gladi na mampata tout na ba ndekonyo sur le roi de la forêt. Na ebite soki mokolo mo ba monanga na vandi na zo finga yaba ngondeko. Toi bango papa toi bango mobali toi bango muninga et ça na mananga te. J'aimerais pas aussi flatter les rois de la forêt
pour que tu n'aies qu'à balinanga. Non. Mais côté baza, par là, très conscient. Et je pense ou j'espère que Bagladi côté bazalara, mais sauf un homme ou un akala, peut-être un homme ou un abonné, parce que bébé, que à n'importe quel moment, on a un homme ou un abonné, à n'importe quel moment, on a un homme ou un abonné. Mais Lilo, vous avez vu une dingue moussous, parce que Rita dans la maison mère. Mais c'est pour ça, la maison mère, il y a un homme, ok, t'as la ouïraté, ok, t'as la main patate. Il y en a le bit, donc l'un d'eux, le bakout, non plus bana. Donc, mais sauf un homme ou un abonné, peut-être un homme ou un abonné. Mais na katina bango moto bolingo babo mango facilement tout ça que moi si mususu bokabwana moto ayi que ah ya sayelanga bo moi affection ndambo itika na ibi que moi affection na mukizali na pata na mama na biso na pata kuna kutiana mama mbote pourquoi mama pasteur ya sambira deja ya te ya deja si ko ya matapna na chair na bible asa na problème héritier moi na moro bo na limité après ça plus na bato bazana contexte musical. Dans la chance, il y a un peu de temps vers Ojani, à Bambérando, à Nzela, à Bruxelles, à Garepe voiture, à Bimeli. Ah! Watangunda! Mérando! Tu vas dire au cause. Dans mon appé, la danse montana, et bah, tout le monde, c'est la famille. Il te manque, Wilson? Beaucoup. On ne peut pas être hypocrite. Et je pense que je lui manque aussi. Donc voilà. Pas seulement lui, un mon avant d'abouy, kakol, na kula na kakol, quartier, moko vin na ya quartier. Mais l'autre est un peu choqué, t'as l'air. Hé, si kou moussala, hé, moussala na programme na ye. Donc, il y a un peu de charge, il y a un peu de charge sur les billets. Avant héritier, j'ai dépendu de moi-même. Na ye na la mouki, je sors de chez moi, je sors, je pars, je fais ce qui me plaît. Moi, aujourd'hui, quand je me réveille, il y a calculé, est-ce que mes danseurs ont mangé, ils ont bu, est-ce qu'ils ont l'argent pour le transport, mes musiciens, pareil. Les gardes, les banines, tout ça là. Dans la team Wata, j'ai plus de 50 travailleurs. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir tu as sécurité, il doit y avoir les danseuses, chanteurs, les instrumentistes qui sont des musiciens. Bah, on est tous les musiciens, on est des vrais musiciens. Et tu as bureau, tout ça là, les porte-paroles, tu as trois. Là, tu as un entourage à Bissot. Ce qui est oui, oh, nakota na loyenge kana kendo tala mutu po tout ça va pire. Mais pendant ces temps-là, na bomi musala donc tout ça plus concentré. Mais bolingwa famille et tikala nango. OK. Ça va. Merci héritier d'avoir mais accepté. Tout en restant goga parce que ngala tabe mutu ba esprit. Ce qui tokuta na yo, ozana esprit ya neti ba mampata, ya Bible. Ça va. Epina do dokolo. Mais ce qui oyepe na esprit neti po ba tumsu ba na esprit ya ya tester soka yena tester il faut na l'accepte na kepela ouais pour ce que pelite a okeno me mantsango si ko biso to ba tindi biso to ngaba yo kantsango donc faut o comprendre que peli donc dans ce sens là parce que et vous avez le roi neti sa lire bien chomo bo pona abonde la ba tout tete tout ça on a anglais on a mais oui t'aime toujours mais toujours respecter ba to yo faut tout respecter. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup, héritier, pour avoir accepté évidemment d'être en sandwich avec des grands tels que Marius, ouais, que j'apprécie. C'est un plaisir d'animer cette émission avec Marius Munga, qui n'est pas n'importe qui. Merci, la chronique fait intelligente. Azakinabi Swahouti, États-Unis. Bientôt, Azobeta, moi, tour quelque part et pas Azonga. Aromo le Banglais, donc lobby à Yambaba. Nadjem Martis, encore une fois, quand on passe son message à Souka pour nous lancer dans bateau Yo Lingaka, moi, personnellement, je salue celui qu'on appelle Viking Kang. Kankonde, Olingaka. Ça va. Avigi Kankonde, on le salue. Et Mario, sûrement des petits coucou. Ah, merci, hein. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Bravo à Idi. Nous parlons en français. EDTV. EDTV. EDTV pour l'occasion. Okay. Courage encore. Donc on attend le 13 juillet pour la sortie. J'espère que Charles Etta va se retrouver. Donc David Gozo, mon bel moi, je crois en toi, héritier, et je sais que tu as de l'avenir. Ok. Maintenant, Tembe, c'était comme ça. Nous saluons BH qui nous regarde. BH, tu peux sur tes places aux Ali. Nous, sans oublier Diego Ngangwete qui est à la caméra. Notre réalisateur de EDTV qui n'est autre que Rich Tempête au hasard Hollanda Bisso, héritier sûrement moins bateau et Ayo au hasard Hollanda. Balégué Belé à Nzambi. Ingénieur capitaine, moi, n'attends pas tout. Mais, Nabandi, na Yemogo bateau, ça t'est bango banani. Tendai, Balobi, Batu Bazala, Babongo, Bazara, Ming, Mingite, Babmara, Bambalamo, Kotam Sunabane. Maître Zéphi Moya, na Suisse, Yama, Mère Anto Antouf, Tozano Motema, donc Batutu Bolingara Bisso, Junior Capitaine Marachel Futa, Maman Banana Bisso Kitoko, donc Toza.
bande wana nganyo so bama sananganyo so na pesi nombo te boleke bele apoka cha masunda Francis Libaya petit nayo. Okay. Manager high tech. Ye along high tech comme network. Network petit nangai Francis Libaya to pesi. Très important. Alors na travaille na bat. Mais jour à l'ibosso ka rakota ka mouvement. Mbamba ta benga ngatina Australie ba di oh. Wata ya koti déjà mouvement la bi. Oh. Ya auti kokota même pas 10 minutes. Un autre petit en Australie, bah state, bah tout bah yebi déjà. Donc lelo yem tu aroteka. Au moins dis que on a lelo yem taroteka. Parce que yendi mutaza, aza directeur chargé de communication. Donc tu peux s'agir charge wana. Pourquoi? Parce que tout ça m'a un petit peu yo toko la kinayo, tout yo tout temps la kinayote. Mais parce que yo tu yebi que tu as un savoir, tu peux nous apporter quelque chose. Aujourd'hui j'ai fait des featuring, mais j'ai été assisté par de grandes personnes. Oui, bah porter les nappes, bah tout pour qu'il m'a mangé ça, maman. Le roi va charger le tabou. Merci. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à David Monceau. Merci à tous ceux qui nous ont aidés pour cette émission. Marius, merci. Ciao, ciao et à la prochaine.